Ce que je les ai en premier tous les matins.
À moins que tes parents me laissent dormir chez toi. Ah, alors ça, c'est pas près d'arriver. Et pourquoi? On est ensemble depuis 2 ans, je suis presque de la famille. Ils en diraient quoi, tes parents? Mes parents m'adressent à peine la parole. Ça peut se comprendre. Vous avez ravagé leur maison pendant cette fête. Enfin, c'était pas prévu. Et je leur ai promis que ça n'arriverait plus jamais. Jamais. Salut, Connor. Salut. C'est qui, ça? C'est une nouvelle que Lucas a en ami. Tu sais comment il est. On y va? On y va. Allez, allez, installez-vous. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à tous. J'espère que vous avez passé d'excellentes vacances et que vous vous êtes bien reposés parce que... Allez, sortez vos livres d'histoire. Chapitre 5. Allez les mecs, on y va, on donne tout. Ah, oh, je l'ai trouvé. Heather Henderson. Elle vient de quel lycée? C'est pas noté. Non mais t'as vu ça? Mon idiot de mec est dans ses amis. En même temps, elle en a pas beaucoup d'autres. Qu'est-ce que c'est que ça? Elle a été prise à la fête? Possible, oui. Mais Connor était tellement bourré qu'il doit même pas se souvenir qu'elle a pris cette photo. Je t'assure que t'as aucun souci à te faire. Ouais, c'est juste que j'ai un peu de retard. C'est-à-dire? Oh, tu parles de... Ouais, j'aurais dû avoir mes règles il y a plus d'une semaine. Tu l'as dit à Connor? Non, non, ça le ferait trop flipper. Pas question. Je dis rien. C'est ma mère. Faut que j'y aille. Ok, bon, tu me tiens au courant. Ouais. Oh, et aussi, t'inquiète pas. J'ai du retard tous les mois. Tous les mois. Je comprends pas pourquoi ça m'arrive à moi. T'en fais pas. Tu as toute la vie devant toi. Qu'est-ce qu'il y a? Ta sœur a encore fait, fausse couche. Oh, Kelly, je suis désolée. Mais quand on y pense, je devrais être habituée. Tu dînes ici ce soir? Oui. Bien. Chérie, j'aimerais faire autrement, mais je dois vraiment aller travailler. Votre père va rentrer tard. D'accord. Je t'aime. Je t'aime aussi. Tu sais quoi? Vous allez y arriver. Merci, maman. J'en suis persuadée. Je file. Avec Greg, on s'était dit que si cette fois ça marchait pas, on essaierait la FIV. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va me farcir comme une dinde de Thanksgiving. Quand je pense au cours d'éducation sexuelle, vous n'arrêtez pas de répéter. N'ayez jamais de rapport sans protection ou vous tomberez enceinte. Et quand c'est ce que tu veux, rien. Ouais. Et toi, ça va? Ça se passe bien avec Connor? Ouais. Ouais, ouais, tout va très bien. T'en es sûre? J'en sais rien, j'aurais peut-être pas dû partir cet été. T'es là? Bonjour, Madame Walker. Bonjour. Je suis contente de te voir, Amanda. Merci. Ça s'est bien passé, ton travail, cet été? Très bien, oui. J'ai gagné pas mal d'argent, alors... Super. Ouais. Je ne vais pas te mentir, j'aurais préféré que tu sois là. Mon fils n'aurait peut-être pas eu cette idée de fête stupide. Maman, est-ce que tu finiras par me pardonner un jour? Peut-être, si j'arrive à récupérer mon tapis. Je vous laisse travailler. Qu'est-ce que tu fais? Je rattrape le temps perdu. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien, c'est seulement Lucas qui m'envoie des vidéos de chatons. C'est débile. Yeah, maybe you need me to send me on your dreams and your fantasies.
du courage, mon pote. Galère. Comment tu sais que c'est mien? Parce que je le sais. Non, c'est impossible. Comment tu peux dire que c'est arrivé qu'une seule fois? Mais je l'ai fait avec personne d'autre. J'ai emménagé ici il y a à peine 2 mois. Je connais personne. À part toi. Alors tu veux faire quoi? C'est pas comme si on le voulait. Et j'ai une petite amie. T'aurais dû y penser avant de coucher avec moi. Je me souviens quasiment pas de ce qui s'est passé. Hé, vous deux, allez en cours. Je vais le garder. C'est notre bébé. Connor! Attends! Hé! T'étais où ce matin? J'étais pas très en forme. Ah, est-ce que t'as entendu pour la nouvelle, Heather? Il paraît qu'elle a posté un selfie avec un test de grossesse. C'est complètement dingue. Et si elle est vraiment enceinte? Ouais. Je suis un peu pressée, là. Mais je t'appelle. Salut. Salut, t'as vu la page des heures? T'es dessus? Ouais, je te laisse. Choisis un bon papa. Tu devrais pas être au boulot. T'es sérieuse? Tu te prends pour ta mère maintenant? Ouais, t'as raison. Oh, et comme elle, je vais bientôt me casser d'ici. Tu m'as pas rappelé. Désolée, j'ai... Quoi? Tu voulais m'éviter? C'est quoi, ça? Salut, Connor. J'ai les résultats de la prise de sang, je suis bien enceinte. Quoi? C'est la vérité? Non, attends, je comprends pas pourquoi elle me raconte ça. C'est peut-être parce que t'as couché avec elle, ou alors elle ment. Non, je mens pas. Toi, la ferme. Eh oh, c'est pas moi qui ai trompé ma petite amie, je savais même pas qu'il en avait une. De mieux en mieux. On peut aller ailleurs pour en parler. Me touche pas. Tu vas le regretter. Crois-moi. Amanda? J'arrive pas à y croire. Comment il a osé? Mais peut-être que ça peut s'arranger. Ça peut arriver à tout le monde de faire des erreurs. Vous êtes ensemble depuis 2 ans, vous allez sûrement pouvoir oublier ça. Je crois pas, non. Moi aussi, je suis enceinte.
mangé, mon cœur. Tu es toute pâle. Je vais bien. Changer de place. Je veux bien échanger avec elle. D'accord, d'accord. Amanda et sœur, échangez vos places. Mais si vous perturbez encore mon cours, vous serez tous collés. Ouh. Je vous laisse tous les deux. Amanda. Déjà à 8 semaines. Parce qu'il me tuerait. Non, ça va aller. Il faut qu'ils sachent qu'ils vont être grands-parents. Ils vont être hyper heureux comme nous. Tu l'as dit à tes parents? Ma mère est partie de la maison. Elle nous a abandonnés il y a plus de 4 ans. Désolé, j'en savais rien. Quant à mon père, il s'en fout de moi. Et même si je lui dis, il m'aidera pas. Je le connais, il m'achètera pas de vêtements de grossesse. Qu'est-ce que je vais porter? Je peux même pas aller voir un médecin parce qu'on n'a pas d'assurance et j'ai pas les moyens de payer une consultation. Et je t'ai rien dit avant aujourd'hui, mais je suis vraiment inquiète pour ce bébé. Et tu sais, je fais tout ce que je peux. Mais j'ai personne. J'ai personne pour m'aider. Je m'occuperai de tout. J'ai un petit peu d'argent de côté. Tu pourras aller voir un médecin, comme ça le bébé et toi seraient suivis. Oh, merci. Je savais que tu prendrais soin de nous. Amanda, est-ce que tu te rends compte de ce que ça représente pour ta vie, pour ton avenir? Tu n'as que 17 ans. T'as même pas fini le lycée. Et t'as pensé à la fac ou t'as simplement zappé ce détail? On dirait que vous croyez que je l'ai fait exprès. Je sais même pas ce que je vais faire. Maman a raison. Si je garde ce bébé, ça va tout bouleverser. Non, non, attends. Je n'ai jamais dit que tu ne devais pas garder ce bébé. Mais t'as commis une erreur, ma grande. Tu dois prendre tes responsabilités maintenant. Ça me paraît évident qu'elle ne peut pas aller en cours et élever un bébé en c'est même vrai, temps. C'est vrai, elle ne peut pas. Mais elle a tout de même ses parents. D'accord? Vous avez tous les deux vos parents pour vous aider. Est-ce que tu sais que quand j'avais 19 ans, ton père et moi avons eu à prendre exactement la même décision? Et est-ce que tu sais à quel point je suis heureuse du choix que nous avons fait? À chaque fois que je vois le visage de ta sœur. Et le tien. Papa. Je vais être franc, c'est pas ce que j'imaginais pour toi. Mais ta mère a raison. Allez, viens là. Vous devez être terrifiés, Connor et toi. Mais ma chérie, je te le promets, ton père et moi, on sera toujours là pour vous. Il n'est pas au courant, j'en ai pas parlé. Pourquoi? Amanda, c'est son bébé, il a le droit de savoir. Il m'a trompée, maman. Et elle est enceinte, elle aussi. Quoi?
chérie? Ton père et moi avons décidé d'aller en parler avec les parents de Connor. Maintenant? Et nous aimerions que tu viennes avec nous. Tu lui as bien dit depuis, parce que ses parents n'ont pas l'air de le savoir. Oui, c'est lui qui a pas dû leur dire. D'accord. Tu devrais peut-être le prévenir de notre visite. Oui. Ces vacances étaient fabuleuses. Il ne manquait que vous. Le vignoble était spectaculaire. Vous viendrez la prochaine fois. Avec plaisir. Je suis sûre que vous allez adorer. C'est tellement original. Bon, assez parlé de nous. Alors, quoi de neuf? Justement, c'est pour ça que nous sommes là. Amanda et Connor souhaitent nous parler d'une chose importante. De quoi s'agit-il? Amanda? Je suis enceinte. Ah, d'accord. Et toi, ça ne te serait pas venu à l'idée de nous en parler? J'ai appris que peu de temps avant leur arrivée. Parce que tu crois qu'on va avaler ça? C'est la vérité. Comment est-ce possible? Vous ne vous protégez pas? Mais si, pourtant. Enfin, c'est ce qu'on croyait. Un de vous ne l'a pas fait. Tu ne peux pas dire ça. On sait tous ici que même en prenant des précautions, on ne peut pas être sûr à 100%. Attendez un instant. Ce n'est pas la peine de s'énerver, ok? D'autant que il existe une solution à ce problème, n'est-ce pas? Mais je garde le bébé, si c'est à ça que vous pensez. Et c'est pas tout. Il y a une fille au lycée qui prétend être elle aussi enceinte de Connor. C'est une plaisanterie. Oui, c'est une mauvaise plaisanterie. C'est vrai. Alors là, je ne comprends plus. Comment ça a pu arriver? Je vais te le dire, moi. C'est un petit jeu malsain auquel se livrent les filles comme elle. Non, mais ça va pas. Tu crois que ton fils n'y est pour rien? Il faut être deux, Peter. Connor, qu'est-ce que ça veut dire? Qui est cette fille? Comment s'appelle-t-elle? Elle s'appelle Heather. Je la connais même pas, Mais je rêve. Comment ça, tu ne la connais pas? Tu peux nous expliquer? Et si tout le monde se calmait un peu? Tu penses toujours qu'il n'aurait pas été mieux dans une école privée? Non, je t'en prie. Loin de ces... Quoi, Peter? Loin de ces quoi? Oh, ça va. La vie de mon fils est foutue, Jeff. Réalise qu'il ne s'agit pas que de ton fils. Ta mère a raison. Tu as pensé à ce que ça représente, ce que ça implique pour vous deux et pour votre avenir? Oui. J'y ai pensé. Et je veux ce qu'il y a de mieux pour le bébé. Et l'autre fille? Est-ce qu'elle va faire ce qu'il faut? Oui. Tant mieux. Et de qui va payer pour tout ça? Nous, c'est évident. C'est à ça que tu penses, Peter? Alors on n'a plus rien à se dire. Allez, venez, on s'en va. Tu sais, on n'est pas venu vous voir pour te demander la charité. Je pensais que tu nous connaissais un peu mieux que ça. J'allais le faire, mais tu t'occupais déjà des heures. C'est elle qui me colle, je m'en fous de cette fille. C'est bien ça le problème. S'il y avait avec nous, ce serait totalement différent. Mais c'est pas le cas. Attends pas, je t'en supplie. Connor! Écoute, je me fiche de ce que mes parents disent. Je serai présent pour toi, que tu le veuilles ou non. Allez, viens. Championnat dans deux semaines. Oui, Connor est aux anges, il est si fier de lui. Ryan Walker. Ça y est, on a trouvé le prénom parfait. On va être tellement heureux. Madame Walker, Madame Heather Walker.
que tu veux. C'est comme ça qu'on accueille son petit ami? Ton père a de la bière? Non. J'ai dit non. Et tu peux pas rester. Viens là. Allez, ma jolie. Ton père est sorti. Tu sais que t'es canon. Ça fait un mois que j'ai pas enlevé ta culotte. Je veux plus jamais te voir, Trent. Pourquoi je te rappelle pas à ton avis? Ah oui. T'as un nouveau mec blindé, c'est ça? Je comprends, sachant que la dernière fois que t'as fait le coup, t'es pas arrivé à tes fins. Tu dégages d'ici. Je comprends. Attends. Salut. Je voulais juste que tu saches que c'est pas la première fois qu'Heather fait ça. De quoi tu parles? Elle a tout inventé. Inventé quoi? Tu sais très bien de quoi je parle. Non, j'en sais rien. Mais qu'est-ce que tu veux au juste? Du fric? De l'attention? Ou t'es qu'une pauvre menteuse pathologique? Laisse tomber, viens, non, on y va. Elle ment. T'es pas enceinte. C'est exactement comme dans ton ancien lycée, Berkinaï. Non mais sérieux, combien de temps tu croyais tenir avec un pipeau pareil? Tu racontes n'importe quoi. Si ça se trouve, t'as jamais couché avec Connor. Crois-moi, là, j'ai rien inventé. T'es jalouse, c'est tout, parce que ton petit ami m'a fait un bébé. Ou alors ex-petit ami. J'ai aucune raison d'être jalouse de toi. Parce que je suis enceinte aussi. Ça faisait pas partie de ton petit plan diabolique, ça, hein? Connor était tellement bourré à la fête qu'il se souvient presque de rien. Tout ce qu'il sait, c'est toi qui lui as mis dans la tête. Le souci, c'est que t'encaisses pas le fait que ton mec t'a trompé avec moi. Alors je vais te faire un petit dessin pour que tu nous visualises bien sur le siège avant de la voiture de son père. Amanda, elle est... Quoi? Tu sais, celle qui est dans le garage. Imagine-nous tous les deux. Moi qui lui monte dessus et ton mec qui s'éclate. Non, non, oh, 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 Connor. Poussez-vous. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Amanda qui m'a poussé. Bon, retournez en classe. Tout le monde en classe. Ça va aller. Ne t'inquiète pas. Appelle les urgences. Respire, doucement. J'arrive pas à croire qu'elle ait fait ça. Elle aurait pu blesser notre bébé. Il se passera quoi quand il sera réellement là? J'ai peur de ce qu'elle est capable de faire. Elle n'aurait rien fait au bébé, arrête. Je suis à l'hôpital, non? Et c'est à cause d'elle. Écoute, je verrai à ce qu'il ne vous arrive rien, d'accord? Maman... Qu'est-ce qui s'est passé? Rien, ça va, le bébé va bien. Non, ça va pas. Amanda m'a poussée. Tu dois être Heather. Tiens, va déplacer la voiture, elle est devant, je suis mal garée. Donc, c'est toi qui prétends porter l'enfant de mon fils, hein? Je porte l'enfant de votre fils. Tu as fait un test de paternité? Non. C'est dangereux pour le bébé. Et puis, Connor sait que je ne vois personne d'autre. Connor sait que tu ne vois personne d'autre. Connor ne sait rien du tout. Moi, en revanche, j'ai une petite idée sur ce que tu es en train de faire. Je tenais à ce que tu le saches. Alors ne t'inquiète pas, ce n'est qu'une piqûre. Vous pouvez pas me forcer. C'est ce qu'on va voir. Je voulais savoir comment Heather allait. Le médecin a dit qu'elle et le bébé vont bien. Tu sais, je voulais pas lui faire de mal. J'ai craqué. Je suis désolée. Et moi, je sais que j'ai fait n'importe quoi. Mais on doit avancer et s'entendre tous un minimum. Je vais pas devenir amie avec elle, ça c'est hors de question. Je comprends. Mais laisse-la tranquille alors. D'accord. T'inquiète pas. Vous vous moquez de moi? Kelly, c'est déjà assez dur comme ça pour ta sœur sans que... Elle ne peut pas avoir un bébé. Elle est même pas mariée. À moins que ton petit lycéen ait prévu de t'acheter une bague à la fête foraine. Tu sais quoi, Kelly? Ça suffit. Non, expliquez-moi. Comment on fait pour élever un enfant entre une chambre d'ado et un terrain de football? Je te signale que si à un moment de sa vie, elle avait eu besoin d'une grande sœur, ça aurait été maintenant. Maman, j'y vais. Attends, je te demande pardon. J'essaie depuis plus d'un an. Je veux une famille plus que tout au monde. Et ça t'arrive à toi juste comme ça. Je sais. C'est pas juste. Peu importe, tu es ma petite sœur.
suis là pour toi, ok? Je le pense. Falloir que je pense à acheter des vêtements de grossesse. Tout ce que je porte est de plus en plus inconfortable. Qu'est-ce que tu fais là? Il tenait beaucoup à être présent pour l'échographie. Je lui ai dit de venir. Madame Cohen, j'espérais ramener Amanda moi-même chez vous. Si vous êtes d'accord. Oui, bien sûr. À tout à l'heure. Salut. Eh bien voilà, à moins que ce soit bien caché, il s'agit d'une petite fille. C'est vrai? Je vais avoir une fille. Il vaut mieux prévoir de peindre la chambre en rose. Et est-ce que tout va bien? Tout va très bien, oui. Vous voulez entendre son cœur battre? Oui, bien sûr. C'est dingue. C'est bizarre. Merci, papa Connor. Ouh. Oh, chérie, tu vas m'adorer dans celle-là. Encore laisser tes clés sur la porte. C'est pas facile, c'est une blague. N'importe quoi. C'est pas mon problème, papa. Tu m'étonnes que c'est pas mon problème. Je m'attendais à rien venant de toi, de toute façon. J'espère que tu t'es bien organisée, alors. Évidemment. Oui? Ouais, je suis pas comme ma mère. Je suis maligne. J'ai pas choisi un paumé. Eh ben, ce mec est un sacré vénard. Les laisse plus traîner. Arrange-moi tout ça. C'est incroyable. Oh, tu sais que c'est de la 3D. Oui, vous pouvez y aller maintenant. Merci. J'ai appris que ta mère avait fait faire un test de paternité. Ouais, on devrait avoir les résultats aujourd'hui. Elle est insupportable. Tu verrais, elle m'appelle et m'envoie des messages en permanence. Quand je t'ai parlé ce jour-là à l'hôpital, j'étais stressée à cause d'elle. Elle m'avait fait croire qu'un malheur aurait pu arriver au bébé et je voulais pas que ce genre de scène se reproduise. Mais j'ai jamais voulu te perdre. Tu vois ce que je te disais? Mais est-ce que tout va bien? Ouais, je vais lui dire que je suis à ton écho. Il faut qu'elle comprenne qu'il n'y a pas qu'elle. En plus, c'est ici que je veux être. Avec toi. Allô, c'est moi. Il faut que tu me rappelles tout de suite. Je sais pas pourquoi tu réponds pas. Rappelle-moi. Allô, c'est encore moi. Il faut que tu me rappelles.
échographie? Pas encore, mais elle me le fera savoir, étant donné que c'est mes parents qui paieront la note. Merci de m'avoir permis d'être là. C'est encore elle? Ouais, elle a dit qu'elle a pris des médocs pour se calmer et que maintenant elle se sent mal. Tu devrais y aller. C'est pas facile pour elle, elle a personne d'autre. J'ai rien dit. Vas-y. Je suis désolé. Très bien, Judy. Merci. Le médecin dit que ça devrait aller pour toi et le bébé, mais que tu ne dois plus prendre de médicaments sans lui demander auparavant. Je suis désolée. C'est rien. Il te faut autre chose ? J'aimerais bien boire un truc frais. Alors, il va dormir où, le bébé? Dans ma chambre. Tu veux voir? Je me disais que peut-être je pourrais mettre son lit ici à côté du mien. Avant, je vais faire quelques petits changements. Et je vais acheter une armoire, des rideaux, un nouveau radiateur, et puis si j'ai le courage, je reboucherai les trous qu'il a dans le mur. Tu crois que tes parents pourraient m'aider un peu? Je voudrais pas que notre bébé arrive avant que tout soit fait. Je leur demanderai. Merci. T'as faim? Non, merci, je dois y aller. Tu veux pas rester juste un tout petit peu? C'est pas drôle d'être ici toute seule. Tu sais, mon père est jamais là et ma mère m'a pas appelée depuis. Hé, hey, toi. Tu viens là. Approche. Allez, viens. C'est toi? C'est moi quoi? Celui qui a mis ma fille dans cet état. Est-ce que c'est toi? C'est ce qu'elle dit, oui. Espèce de petit enfoiré. Alors, tu te sens mieux? Non, pas vraiment. Quand il a appelé pour demander s'il pouvait venir à l'échographie, il a dit qu'il voulait vraiment être présent pour toi. Oui, mais il peut pas être à deux endroits en même temps. C'est toi qui l'aimes, chérie. Pas elle. N'oublie pas ça, d'accord? Bonjour, c'est Amanda. Laissez-moi un message. Le labo vient de m'appeler. L'enfant des sœurs est le tien. Ça va aller? Ouais. Je reviens justement de chez elle. C'est horrible. Elle m'a montré où le bébé est supposé dormir et c'est carrément dégoûtant. Elle m'a demandé si on pouvait l'aider un peu. Maintenant qu'on sait qu'il est de moi... Donc elle demande de l'argent. Mais cette fille n'en a pas du tout, maman. J'ai bien compris, crois-moi. Oh, je ne veux pas que tu t'inquiètes, je vais m'en occuper. Ça va aller. Cette cinglée écrit sur tous les réseaux sociaux que le père, c'est bien Connor. Regarde, elle a même posté les résultats. Hey, je t'ai appelé. Je t'ai appelé toute la soirée, toute la nuit, les résultats sont arrivés. Je suis au courant. C'est sûrement pour ça qu'elle est restée chez elle. C'était la fête. De quoi est-ce que tu parles? Je suis rentrée chez moi. Tu m'as envoyé un message pour me dire que tu restais. Non, je t'assure.
tu vas arrêter tes petits jeux minables? Le coup du SMS pour me faire croire. Pourtant, il te cache des choses. Il ne t'avait pas dit qu'il avait couché avec moi, si ma mémoire est bonne. Alors pourquoi il te dirait la vérité maintenant? She gave me life and she gave me friends, but whispered softly, it's all pretend, and that's love. That's love. Vous êtes le père des heures? Ouais, et vous? Je suis John Walker. Mon fils est le père de l'enfant de votre fille. Ah, ouais, je vois. Non, je ne crois pas que vous voyez, monsieur Anderson. Mon fils a un très, très brillant avenir qui l'attend, et ce bébé n'en fait partie. Alors, ce que vous voulez dire, c'est que votre gosse, en gros, c'est ma gamine, et qui compte se déminer. Pas du tout. Mon fils a commis une erreur, et à mon avis, votre fille avait tout planifié. C'est pour ça que je suis là. Pour parfaire ce plan. Ça devrait être suffisant pour élever l'enfant pendant les 7 ou 8 prochaines années. Après ça, il y aura un autre arrangement, à condition qu'Ezer se tienne éloigné de mon fils. Est-ce assez clair? Ouais. Bien. Si nous sommes d'accord, vous allez signer ça. Nickel. Vous voulez peut-être une copie? Ça vous dit de venir à l'intérieur boire un truc ou je... C'était pas de poli. J'ai quelque chose à te montrer. Je suis sûre que ça va énerver Heather parce que je parie que personne ne lui fera une fête pour son bébé. Quoi? C'est pas un jeu, Mia. Je le sais bien. Mais elle se moque de toi, alors tu devrais en faire autant. Tu penses que c'est elle qui t'a envoyé ce message, hein? Elle essaye de t'embrouiller. Fais confiance à Connor sur ce coup-là. Il m'a envoyé un message aujourd'hui et il a demandé à me voir. Alors oublie un peu l'autre malade et fonce. Regarde ça. On a déjà un j'aime. Ça m'étonne vraiment pas que ce soit un petit garçon. Je plaisante pas, j'ai rêvé de lui plein de fois. Toi et moi, alors son tout premier match de football. Génial. Tu entres à maman? Non, j'ai d'autres projets. Oh. Ben d'accord. Papa? Il semblerait que le père des heures ait quitté la ville. Il est parti parce que ta mère l'a payé pour m'éloigner de toi. Il
il a pris l'argent et j'ai même plus de père maintenant. Alors j'ai pas eu d'autre choix que de venir ici. C'est la vérité? Je voulais bien faire, je voulais t'aider. C'est comme ça que tu comptais m'aider, maman? Elle attend un enfant de moi. Elle va pas vivre dans la rue. Amanda! T'en vas pas, s'il te plaît. Ça ne change rien en ce qui nous concerne. Tu crois vraiment que ça va rien changer? Tu comprends pas, elle va vivre ici, avec toi, et ça... Ça change absolument tout. J'ai vraiment l'impression de manger pour deux. Oh, j'y pense. Il y a une sortie scolaire la semaine prochaine. Ce serait sympa de votre part de me signer l'autorisation. Et c'est seulement $20. Et dis-moi un peu, est-ce que tu as des projets pour toi et pour le bébé? Oui, bien sûr. On pourrait transformer une des chambres de la maison en nurserie pour qu'on vive ici avec Connor. À moins que vous préfériez qu'on habite ailleurs. Dans ce cas, je suis sûre que vous nous trouverez un beau logement. Connor doit terminer ses études. Et par études, je parle d'aller à la fac, à Whittendale. En fait, j'ai décidé de rester ici, à l'université publique. Comme ça, je pourrais passer mon diplôme quand même et je serai ici, pour gérer. Mais ça veut pas dire que je vais déménager. Avec Amanda, on n'a pas encore parlé de nos projets. Chambre de l'autre côté de la maison. Bonne nuit. Je t'ai apporté à manger. Je comprends que ce soit très dur d'imaginer Heather sous le même toit que Connor. Mais il n'a pas d'autre choix pour le moment. Je sais. C'est que il s'est passé tellement de choses et les bébés sont même pas nés. Connor n'est pas prêt à être papa. Encore moins de deux enfants. Je me demande si garder le bébé est la bonne décision. Qu'est-ce que tu dis? Kelly et Greg feront de meilleurs parents. Oh. Amanda, chérie, faire adopter son enfant est une des pires épreuves qu'une maman ait à traverser. Tu en as discuté avec Connor? Non. Il le faut, parce que c'est une décision qui se prend à deux, d'accord? Bonjour toi, t'as bien dormi? Oui, ma mère. Elle devait aller chez le coiffeur ou bien peut-être faire des courses, je sais pas. Je t'ai fait un bon petit-déj. Mon père est déjà parti au travail. Oui, il avait un Volto ce matin, je l'ai pas vu. Il a laissé sa toute nouvelle voiture dans le garage. Au fait, il en a une nouvelle tous les ans, c'est bien ça? Oui, c'est sa boîte qui lui fournit. Cool. On devrait l'essayer, celle-là aussi. Tu vas où? Je sors. Je croyais qu'on passerait la journée ensemble. On doit acheter le berceau et tout le reste. Tu vas pas accoucher avant au moins 6 semaines. Tu vas voir Amanda? Connor! Préparation à l'accouchement.
combien de blé t'allais me filer. Où tu vas? Hé! Elle est pas mal. Je me vois bien dedans, surtout qu'on a pris ma caisse. Ce serait pas arrivé si t'avais un job. Un job? Quelle bonne idée. Oh, et j'en ai encore une meilleure. J'y pensais sur le trajet pour venir ici. Et vu que pour une fois, un de tes plans a l'air de fonctionner, je me suis dit que... t'allais partager. Tu peux toujours courir. Ça, j'ai déjà donné. Tu te rappelles pas? Alors à toi de courir maintenant. Si tu continues à refuser de me donner ma part du gâteau, je vais m'énerver. Et malheureusement, c'est sur toi que ça va tomber. T'oublies que je te connais. Je sais qui t'es vraiment. T'as parlé à ton copain des autres mecs riches que t'as voulu arnaquer. Tu lui as dit pour tes fausses couches. Ça fait beaucoup de secrets. Alors tu ferais mieux de me payer. Où sont les bijoux? Te connaissant, je suis sûr que t'as déjà fait ton pérage. Vicieuse comme t'es. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons travailler la respiration. Alors, nous allons commencer par inspirer très profondément. Et expiration. Et je veux que tous les accompagnants respirent aussi. Inspiration. Les accompagnants, mettez vos bras comme ça. Autour des mamans. Les mamans, reposez-vous délicatement sur vos partenaires. C'est parfait. Chez vous et on se revoit la semaine prochaine. Moyen de donner à notre bébé la meilleure des vies possibles et qui rendra des personnes vraiment heureuses. J'aimerais que tu réfléchisses à ce que je vais te dire. De quoi tu parles? Je parle de donner notre bébé à ma sœur. Elle se démène, elle a tout essayé et rien n'a marché. C'est une souffrance pour elle et moi je tombe enceinte alors que j'en avais pas envie. Du coup, je me dis que c'est peut-être un signe. Peut-être que je devais tomber enceinte pour qu'elle ait ce bébé. J'en sais rien. Franchement, j'en sais rien. C'est pour ça que je t'aime. Thank you.
Sors de là! Sors de cette voiture! Non, mais je rêve ou quoi? J'ai appelé la police parce que je croyais qu'on nous l'avait volée! Tu penses que tu peux prendre cette voiture sans autorisation? C'est pas vrai! C'est tout? Pas d'excuses! Hé, tu vas m'écouter! Tu n'es pas de la famille. Tu n'es là qu'à cause de mon petit-fils. Alors ne prends pas trop tes aises dans ma maison, je te prie. Parce que tu n'es rien pour Connor. Rien du tout. J'en ai assez de vous, espèce d'emmerdeuse. Vous pouvez pas me lâcher un peu? Vous comprenez pas? Je vais avoir son bébé. Moi, la fille née du mauvais côté de la barrière. C'est pour ça que vous m'acceptez pas. Parce que je suis pas assez bien pour vous. Non, ce que je n'accepte pas, c'est le genre de personne que tu es. Manipulatrice. Et intrigante. En fait, je commence à me demander si tu seras capable d'être une bonne mère pour mon petit-fils. Oh, t'es cinglé ou quoi? Vous allez me foutre la paix à moi et à mon bébé, sinon vous allez le payer. Ça va, mon pote? Alors, t'as bien dormi cette nuit? Ouais. T'as rien à dire? Alors, c'était comment avec une fille enceinte? Oh, mais de quoi est-ce que tu parles? Ah ouais, d'accord. Tu lâches rien. Pas cool. Regarde. Tu me fais halluciner, mec, je te jure. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la mère de ton fils. Elle est devenue folle. Écoute, je ne veux plus la voir ici. C'est fini. J'en peux plus. Je suis prête à payer s'il le faut. Et elle s'en va, d'ici, sur le champ. Je ne me ferai pas agresser dans ma propre maison. Mais qu'est-ce qu'elle t'a fait? C'est bon, laisse. Dégage. Regarde, j'ai mis cette photo en attendant qu'on en ait... tous les trois. Cette fois, Heather, t'es allé trop loin. Prendre une photo de moi pendant mon sommeil, c'était déjà bien grave, mais t'as touché à ma mère. Alors c'est fini, tu vas te dégager. Ah oui? Tu te demandes pas pourquoi j'ai fait ça? T'as oublié ce que ta mère m'a fait? Je m'en fous. J'arrête d'être sympa avec toi parce que t'es qu'une taille. Je m'en fous aussi que t'aies pris des photos de nous deux. On n'est pas un couple. Je suis amoureux d'Amanda. Toi, t'es rien. T'existes pas pour moi. Attends. Connor, je voulais pas faire de mal à ta mère, je suis désolée, pardon. Connor, reviens! Connor! T'as eu le temps de penser à ce dont je t'ai parlé? Kelly et le bébé? Ouais. Et je commence à me dire que t'as peut-être raison. C'est peut-être pour ça que t'es tombée enceinte. Tu me sers un hot dog, s'il te plaît? Oui, ma chérie. Merci. Vous vous rappelez que j'aime ma viande à point? Oui, monsieur. Kelly, Greg. Merci. Tiens, Connor et moi, on a quelque chose à vous demander. On en a longuement discuté, et bien sûr, on veut ce qu'il y a de mieux pour notre fille. On est tombés d'accord. Le mieux, c'est vous. Je comprends pas bien. Vous voulez adopter notre bébé? Est-ce que c'est sérieux? Vous essayez depuis tellement longtemps et vous feriez de merveilleux parents. Je sais pas quoi dire. Dis oui. Merci, merci. Félicitations. Je suppose que ça veut dire oui. Oui, bien sûr que c'est oui. Vous allez être super. Merci. J'aimerais porter un toast. Oui. À la famille. À la famille. À la famille. On va avoir un bébé.
Écoutez-moi tous, écoutez-moi. Si vous n'avez pas l'autorisation de sortie signée par vos parents pour le parc naturel, vous n'êtes pas du voyage. Tout le monde a bien compris? Oui. Ok, alors en rang pour monter. Heather va venir? Je crois, ouais. Maman lui a signé. On est au complet, on peut y aller. Au centre de conservation avec Aigle Gris et le groupe B avec moi pour la visite du parc. Est-ce que ça va aller? Oui, tout ira bien. Allez, regroupez-vous, on y va. Par ici. C'est bien, n'hésitez pas à poser des questions. Madame Walk, il faut que j'aille faire pipi. Oh, il y a des toilettes près du centre de conservation. Prends le raccourci, mais reste sur le sentier. D'accord. On peut emménager ensemble pour élever notre garçon. C'est la vraie raison pour laquelle ses parents m'ont mise dans cet appart. Ils ne supportaient pas que leur précieux fils ne leur appartienne plus. Tu mens encore. C'est pas du tout ce qui s'est passé. Ah bon? Et comment t'expliques que la photo de toi qui était près de son lit, il l'a jetée à la poubelle et qu'il l'a remplacée par une photo de notre échographie? Je lui ai rien demandé, il l'a fait tout seul et... Il adore mon corps de femme enceinte. Et tu veux le meilleur? On n'utilise pas de capote. On a confiance l'un dans l'autre. Il n'y a que moi, lui et son bébé. Tu vas la faire! Il n'aurait jamais recouché avec toi, je le sais. Il ne t'aime pas et il ne t'aimera jamais. Quand est-ce que tu vas finir par rentrer ça dans ta petite tête? T'es qu'une simple erreur de parcours. Et ton plan pour l'avoir lui ou son argent, eh ben il est tombé à l'eau. Regarde un peu où t'en es. T'es seule, dans un studio. Et bientôt tu seras seule, avec un bébé à élever. C'est ça que tu voulais? Dans ce cas, félicitations, t'as réussi. Je déteste! Pourquoi? Pourquoi? Il a fallu que tu te tombes enceinte! Il voulait pas de toi! C'est moi qu'il voulait! Et qu'il veut toujours! Il a promis qu'il prendrait soin de moi! De nous! Et toi? Pourquoi tu veux tout gâcher? Pourquoi? T'as déjà une famille! Alors que moi, j'ai quoi? J'ai rien du tout! Toute ma vie, on m'a abandonnée! T'as une idée de ce que ça fait? Non, bien sûr que non! Parce que toi, tu as tout ce que tu veux, espèce d'égoïste! Tu n'es qu'une pétasse! Madame Walk, excusez-moi. Où est Amanda? Elle est allée aux toilettes. Je la croyais revenue. Je l'ai pas vue. Je vais vérifier. D'accord. Vous avez vu Amanda? Non. Les filles, vous avez vu Amanda? Elle est pas là.
bientôt commencer. Je vais aller la chercher. Non, Connor. Reste ici. Ça va être abattant comme son père. On est juste venu vous faire un petit coucou. On va vous laisser tranquille.
On reviendra plus tard. Deux secondes, je vais faire une photo. Non, mets-toi près d'Amanda. Avec toi et Ryan, ça va être notre tout premier portrait de famille. Allez, prenez la pause. Dites cheese. Parfait, allez tout le monde. Un selfie maintenant. Selfie. Maman, tu viens de dire selfie? Ouais. Non, t'as pas le droit de dire selfie. Sûr que sinon, il y a pas de gêne, tu as le droit de le dire. J'adore son téléphone. Cheese. Dites selfie. Ils ont trouvé le cadavre de Trent dans votre cave. Votre père n'était pas en ville au moment des faits, donc tous les soupçons pointent vers vous. Si vous ne reconnaissez pas les faits, vous risquez la prison à vie sans liberté conditionnelle. Si vous plaidez coupable, vous pourriez obtenir... Je voudrais de l'eau. Je m'en occupe. Guys, let the sun rays shine, and every day fade away in the day.